Michel Foucault, L'usage de la parole, La folie et ses langages, quatrième émission dans quelques instants. Le philosophe nous dit comment la découverte freudienne nous a libérés de la conception grecque d'un langage de nature non physique, la parole ailée. Or, le langage naît dans le corps et ne s'en sépare jamais tout à fait. Le langage d'un corps, opposable à l'unité de l'esprit et le menaçant, a ordonné un rapport violent et sauvage, un dialogue de sourds entre les saints et les malades, entre les médecins et les patients. Histoire de la possession au XVIIe siècle, les angoisses d'un exorciste, de la supérieure de Loudun, seront citées en exemple. RTF, France 3 nationale, présente L'usage de la parole. Le langage de la folie par Michel Foucault. Aujourd'hui, le corps et ses doubles. Réalisation Jean Dehaene. Les Grecs disaient que les paroles avaient des ailes. Nous savons, nous, que le langage n'a pas du tout cette existence éternelle et rapide. Nous savons qu'il naît au ras de nos gestes, qu'il habite en sourdine notre peau et nos os, qu'il ne se libère jamais tout à fait de cette caverne sonore que nous sommes. Tous ces signes, il a fallu sans doute la prodigieuse attention de Freud pour qu'on comprenne qu'il s'agissait avec eux d'un langage. Et peut-être, avant la psychanalyse, les rapports entre la folie et la raison ont-ils été comme une sorte de dialogue de sourds, un dialogue muet, violent, sans mots, un dialogue précipité et obscur comme des coups, d'où son caractère fatal de violence et cette sauvagerie qui a présidé jusqu'au XIXe siècle au rapport entre médecin et malade. Je pense aussi à des phénomènes comme ceux de la possession, que le XVIIe siècle a connu et dont l'affaire de Loudun, après celle de Louvier, après celle de Labour, n'a sans doute été que la plus célèbre. Il faudrait une bonne foi sauter de l'idée qu'il n'y avait là que les effets de l'obscurantisme ou de quelque ignorance des médecins. Et alors, peut-être pourrons-nous entendre, de part et d'autre, des paroles rituelles, des injonctions latines faites aux démons, les cris de la possédée, mais aussi les paroles non moins étranges, dont l'exorciste entend en lui le murmure quand il est devant ce corps de femme secoué, tordu, offert. L'exorciste et la femme formaient sans doute un grand couple disjoint dont les paroles obscures se croisaient, mais sans s'échanger jamais. Le lundi 5 novembre 1635, dans l'église des Ursulines où le révérend père Surin de la Compagnie de Jésus exorcisait, le corps de la mère prieure fut subitement levé tout droit sur ses pieds et Léviathan parut inopinément, se déclarant par une morgue dédaigneuse et allure superbe, avec une face très belle et luisante. Sur quoi l'exorciste, parlant latin selon la coutume, a dit « Voilà un démon qui fait du beau, mais pour la gloire de Dieu et l'édification des assistants, je veux à cette heure qu'il fasse voir ses laideurs et ses difformités. » Et l'hymne « O Gloriosa » ayant été chanté à cette fin, le corps de la dite prieure a été prosterné par terre, montrant un visage fort hideux et effroyable, avec des contorsions étranges de tous ses membres, tournant contre terre le visage pour n'être point vu, se roulant avec d'effroyables agitations, embrassant les pieds du père à diverses fois, et pendant que le Magnificat se chantait, elle a étendu les bras et les mains avec raideur, et la tête appuyée au pied du dit exorciste sur le milieu de la marche de l'autel, la tournant de profil, du côté de certains spectateurs, vers la fenêtre, a fait voir, au milieu du front, une croix, de laquelle coulait un sang frais et vermeil, où la peau était offensée et entr'ouverte. Après cet exorcisme, que le père Surin avait si merveilleusement réussi, voici ce qu'écrivait, à quelques jours de là, le même père Surin. Vous allez voir, il n'est pas tellement fier de son exploit. Voici, en effet, ce qu'il éprouvait en lui-même. Quelle curieuse possession s'était déplacée du corps de la prieure dans le sien propre.
Les choses sont venues si avant que Dieu a permis, je pense par mes péchés, que le diable passe du corps de la personne possédée et venant dans le mien, m'assaille et me renverse, m'agite et me traverse visiblement, me possédant plusieurs heures comme un énergumène. Je ne saurais vous expliquer ce qui se passe en moi durant ce temps et comment cet esprit s'unit au mien comme si j'avais deux âmes. Les deux esprits se combattent en un champ qui est le corps. Quand je veux, par le mouvement de l'une de ces deux âmes, faire un signe de croix sur ma bouche, l'autre me détourne la main avec une grande vitesse ou me saisit les doigts avec les dents pour me les mordre de rage. Je ne saurais vous dire, la joie que je ressens étant ainsi devenu diable, non par rébellion à Dieu, mais par la calamité, qui me représente naïvement l'état où le péché m'a réduit, et comme quoi, m'appropriant toutes les malédictions qui me sont données, mon âme a sujet de s'abîmer en son néant. Dans cette lettre du père Surin, il y a une notation que je trouve assez étrange. Tout à fait à la fin, il signale qu'il éprouve comme l'anéantissement de son âme, et son âme s'abîme dans son néant par le mouvement même qui la dédouble. Comme si cette multiplication de soi, cette prolifération intérieure, avait le curieux pouvoir, à la fois bien sûr de le fasciner, mais aussi de le détruire. Le double, cette autre âme à côté de la mienne, cet autre corps tout le long du mien. Dans certaines civilisations, il porte l'espoir raisonnable de la survie. Le double chez les Égyptiens, le double également dans certaines populations mélanésiennes, c'est cette âme qui me garantit qu'après ma vie, il y en aura sans doute une autre, ou il y aura du moins une sorte de prolongement. Et ce double, ce grand double d'ombre, rassure. Dans notre culture, au contraire, et je crois qu'il y a là une différence importante, à moins bien sûr que ce ne soit une seule et même figure avec deux aspects opposés. Enfin, je ne sais. Le double, en tout cas, dans notre civilisation, il est lié à une angoisse panique de l'anéantissement. Il est lié à la certitude fulgurante qu'on est privé de soi, à la fois de sa raison par la folie et de sa vie par une mort imminente. Le double ne renferme pas, ne scelle pas l'être en le multipliant. Au contraire, il le vampirise. Il en aspire la moelle et le sang. Il en subtilise le noyau d'individualité close, et ne laisse plus à la surface des choses, en quelque sorte, que la coquille vide et affolée, la coquille de l'autre, je veux dire la coquille du premier, de l'un, qui, dans cet ensorcellement, par ce curieux processus, par ce curieux dédoublement, est devenu l'autre de l'autre. Et c'est ce qui est arrivé à M. Goliadkin, chez Dostoïevski. À toutes les horloges des tours de Pétersbourg, minuit sonnait, lorsque M. Goliadkin arriva sur le quai de la Fontanka. Il s'arrête, s'appuie sur le parapet et il regarde fixement l'eau trouble et noire du fleuve. Combien de temps reste-t-il ainsi, nul ne le sait. Tout à coup, il tressaille de tout son corps. Inconsciemment, il bondit de deux pas. Inquiet, il regarde autour de lui, mais il n'y a personne. Personne. Il n'aperçoit rien de particulier. Et pourtant, il lui semble que quelqu'un, à l'instant même, était là, près de lui, tout près de lui, s'appuyant comme lui sur le parapet du quai, et, c'est étrange, lui a parlé d'une voix rapide et saccadée, pas très distincte, et qui disait des paroles qui le concernaient très intimement. Il a peur, il regarde le lointain, et de toute la force de ses yeux myopes, il cherche à percer devant lui l'atmosphère humide. Pourtant, rien de particulier. Il semble que tout soit dans l'ordre. La neige tombe de plus en plus fort, de plus en plus épaisse. On ne voit rien à 20 pas. Le grincement des réverbères est plus plaintif encore. Monsieur Goliadkin se secoue un peu, rejette la neige épaisse qui s'est accumulée sur son chapeau, sur son col, sur son manteau, sur ses bottes. Quel temps, pense Monsieur Goliadkin. Va-t-il y avoir une inondation? On dirait que l'eau monte très vite. À peine s'est-il formulé cette pensée qu'il aperçoit devant lui un passant,
probablement attardé, qui venait à sa rencontre. Quoi de plus simple, un hasard. Pourquoi M. Goliatkin fut-il ému et même eut-il peur? Le passant était déjà à deux pas de lui. M. Goliatkin aussitôt affecta, selon son habitude, un air bien particulier, un air qui signifiait nettement que lui, M. Goliatkin, suivait son chemin, que la rue était assez large pour tous, et que lui, M. Goliatkin, ne s'occupait de personne. Tout à coup, il s'arrêta comme étourdi, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il se retourna brusquement derrière le passant qui venait de le croiser. Il se retourna comme si une ficelle l'eût tiré, et comme s'il avait été une girouette sous un coup de vent. Le passant disparaissait rapidement dans la tourmente de neige. Lui aussi marchait très vite. Monsieur Goliatkin restait toujours au même endroit et regardait derrière lui. Il se ressaisit pourtant peu à peu. Il poursuivit son chemin, tâchant de ne penser à rien. Il ferma même les yeux. Tout à coup, à travers les hurlements du vent et le bruit de la tempête, un bruit nouveau de pas rapprochés vint à ses oreilles. Il tressaillit et ouvrit les yeux. Devant lui, à 20 pas, la tache noire d'un petit homme s'avançait rapidement. Cet homme se hâtait. La distance diminuait. M. Goliatkin pouvait déjà examiner à son aise son nouveau compagnon de l'heure tardive. Il eut un cri d'étonnement et d'horreur. Ses jambes fléchirent. C'était le même passant qu'il avait croisé quelques minutes auparavant et qui brusquement repassait devant lui. M. Goliatkin, frappé au point qu'il s'arrêta, jeta un cri et voulut parler. Il s'élança à la poursuite de l'inconnu. Il lui cria quelques mots pour l'arrêter au plus vite. L'inconnu s'arrêta à 10 pas de M. Goliatkin, sous la lumière du réverbère le plus proche, qui l'éclairait tout entier. Il se tourna vers M. Goliatkin et, d'un air impatient, il attendit. Excusez-moi, je crois que je me suis trompé, dit M. Goliatkin. L'inconnu, silencieux et dépité, poursuivit sa route. M. Goliatkin courait, toujours poussé par une force étrangère. Il sentait son être s'affaiblir et s'engourdir. Il ne pouvait penser à rien, et pourtant, ses idées s'accrochaient partout comme des ronces. Un petit chien perdu, trempé et tremblant, courait à côté de lui, la queue entre les jambes et les oreilles rabattues. Enfin, au tournant de la rue d'Italie, il aperçut son inconnu. M. Goliatkin ne respirait plus. L'inconnu était arrêté devant la maison de M. Goliatkin. On entendit le bruit de la sonnette et presque aussitôt le grincement du loquet de fer. La porte cochère s'ouvrit et l'inconnu disparut sous la voûte. Presque au même moment, M. Goliatkin arriva devant la porte et, comme une flèche, bondit dans la cour. L'inconnu était déjà au bas de l'escalier. Celui-ci était sombre, humide et sale. Mais le compagnon de M. Goliatkin montait sans difficulté avec une connaissance parfaite des lieux. Il s'arrêta devant la porte de l'appartement, suivit le valet qui lui avait ouvert. Hors de lui, M. Goliatkin, sans ôter son chapeau et son manteau, bondit dans son appartement et s'arrêta, frappé de la foudre au seuil de sa chambre. La tête se mit à lui tourner. L'inconnu était assis devant lui, sur son lit. Il avait aussi gardé son chapeau et son manteau. Il sourit faiblement et fit un signe amical en clignant légèrement des yeux. Monsieur Goliatkin voulut crier, mais il n'eut pas la force. Il perdit connaissance. Il y avait de quoi. Il avait reconnu son ami nocturne. Cet ami nocturne n'était autre que lui-même, Monsieur Goliatkin. Un autre Monsieur Goliatkin. Mais absolument pareil. Il y a une chose curieuse, une expérience qui est en apparence au moins contradictoire de celle que vient de décrire Dostoïevski. En effet, si la présence du double est fatale, et si elle nous parle avec insistance, avec entêtement de la mort, l'expérience opposée n'est pas moins chargée d'angoisse. Je veux dire, l'expérience que mon corps a perdu ses échos naturels, ses douces, ses rassurantes réponses à lui-même qui le dessine noir sur une plage claire ou brillant tout au fond d'un miroir. C'est l'horreur de n'avoir ni ombre ni reflet, d'être réduit à une existence absolument blanche, mate, devenue poreuse et comme vidée de sa substance,
C'est l'épouvante d'être allégé de mon poids d'ombre intérieure, de cette douce fourrure trouble qui me double au-dedans et au-dehors de moi-même. C'est l'expérience de Maupassant. C'était le 20 juillet à 9 heures du soir. Il faisait très chaud. J'avais laissé ma fenêtre toute grande ouverte, ma lampe allumée sur ma table éclairant un volume de Musset, et je m'étais étendu dans un grand fauteuil où je m'endormis. Ayant dormi environ 4 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par la fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis, messieurs, de mes yeux, une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui. Je traversai ma chambre d'un bond pour le prendre, pour le saisir, pour le toucher, si cela se pouvait. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa, comme si on eût fui devant moi. Ma lampe aussi tomba et s'éteignit, le verre brisé, et ma fenêtre, brusquement poussée, comme si un malfaiteur l'eût saisi en se sauvant, alla frapper sur son arête. Je ne dormis plus cette nuit-là. Cependant, j'avais pu encore être le jouet d'une illusion. Au réveil, les sens demeurent troubles. N'était-ce pas moi qui avais jeté bas mon fauteuil et ma lumière en me précipitant comme un fou? Non, ce n'était pas moi. Je le savais à n'en point douter une seconde. Et cependant, je voulais le croire. Attendez. L'être. Comment le nommerais-je? L'invisible. Non, cela ne suffit pas. Je l'ai baptisé le Horla. Pourquoi, je ne sais point. Donc, le Horla ne me quittait plus guère. J'avais jour et nuit la sensation, la certitude de la présence de cet insaisissable voisin, et la certitude aussi qu'il prenait ma vie heure par heure, minute par minute. L'impossibilité de le voir m'exaspérait, et j'allumais toutes les lumières de mon appartement, comme si j'avais pu dans la clarté le découvrir. Je le vis, enfin. Vous ne me croyez pas, je l'ai vu cependant. J'étais assis devant un livre quelconque, ne lisant pas, mais guettant avec tous mes organes surexcités, guettant celui que je sentais près de moi. Certes, il était là, mais où? Que faisait-il? Comment l'atteindre? En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte que j'avais fermée avec soin. Derrière moi, une très grande armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc je faisais semblant de lire, pour le tromper, parce qu'il m'épiait lui aussi. Et soudain, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour. Je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, sentant bien qu'il se trouvait entre nous, lui, et qu'il m'échapperait encore, mais que son corps imperceptible avait absorbé mon reflet. Oh, comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir. Dans une brume, comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée. Oui, mais quel est cet intrus, cet invisible ennemi qui efface les glaces comme des tableaux noirs? C'est la mort. Mais cette mort singulière, qui m'est bien familière, bien proche, cette mort rongeuse quotidienne de mon ombre, qui est ma propre mort. Le Horla qui a mangé l'ombre de Maupassant, qui a effacé son double de la surface du monde. Il est lui-même un grand double noir, absolument invisible, qui dessine à la place du corps, là où il était solidement visible, la silhouette vide d'un cadavre.
Vous voyez combien la position de notre corps sur la Terre est au fond fragile. Un peu trop d'ombre, et nous voilà dédoublés, soudain mis en face de nous-mêmes, comme M. Goliadkin. Et puis, un peu moins d'ombre, et nous voilà mangés par notre double, chassés de nous-mêmes. La mort a pris notre place. Comme si le corps, cette chose si indubitable pour nous, cette chose si résistante, souvent à ce que nous voulons, cette chose si entêtée, n'avait, en réalité, qu'une existence extraordinairement précaire, suspendue à sa propre ombre. Comme si ce corps unique, le nôtre, était bien difficile à maintenir dans son identité. Et comme s'il était prêt toujours à s'échapper, à se multiplier comme une éponge monstrueuse. Tenez par exemple, on croit qu'il est difficile de voir son propre corps, puisqu'on est pris en quelque sorte à l'intérieur de cette petite cellule, on est pris dans son corps, on a les yeux bien encastrés dans la tête, et au fond, on ne voit jamais directement, en tout cas, son dos, ni ses côtés, ni le dedans de son crâne. Et pourtant, il doit bien y avoir un œil imaginaire, un œil tout puissant, fantastique, qui courrait le long de notre corps et qui s'éveillerait parfois sur la flore merveilleuse des organes, sur leurs tiges blanches et rouges, sur leur écume. Et voilà que, devant cet œil tout puissant, le corps s'éparpille, comme dans un aquarium démesuré. Le corps n'est plus alors qu'une sorte de grande fleur morcelée. Non plus cette présence chaude de moi-même à moi-même, où je me loge, où je m'endors, une sorte de jardin inquiétant, givré, où poussent silencieusement des cristaux savants, sous un regard subtil, ailé, lointain comme un aigle, un regard qui est à la fois angélique et meurtrier, et le miracle absolu se produit. L'œil, alors, peut se voir. Il peut se voir lui-même, hors de lui-même, comme une toute petite boule brillante, comme un bijou perdu. Ici commence la transformation. La tristesse humaine est devenue une matière plastique que je ne sais quel pouce mystérieux modèle sans cesse. C'est mon visage, comme dans un miroir, comme dans une lueur vive. Mon haleine fume et luit entre mes dents coupantes comme si j'étais empoisonné par le phosphore. Mon corps est diaphane. Je vois les circonvolutions de mon cerveau nettes comme sur une planche d'anatomie physiologique pour les étudiants. Je distingue toutes les ramifications de l'arbre vasculaire. Le squelette m'apparaît avec autant de précision que dans un dessin macabre de Dürer. Je compte les côtes et les vertèbres. Le mince réseau de nerfs est couleur de rouille. Le sang s'épaissit de plus en plus. L'envie me vient de le battre comme du lait dans une baratte, avec une palette ou avec les os maintenant visibles de mes propres mains. Mon œil triste est là sur la table près d'un cendrier, comme une de ces pièces anatomiques artificielles et colorées que depuis des années un garçon époussette et que le professeur manipule en faisant la leçon aux étudiants blasés. Cette étrange expérience, c'est D'Annunzio qui l'a faite, peu de temps après un accident d'avion où il avait été blessé à l'œil. Mais par une curieuse réciprocité, en quelque sorte par un châtiment, dès que le corps commence à se dissocier et à se morceler, dès que le corps n'habite plus réellement le monde, eh bien, le monde, lui aussi, s'altère profondément. Il devient rigide et mort, sorte de vision glacée et métallique. Et c'est peut-être, au fond, parce que le monde sur lequel nous avons l'air d'être, le monde qui a l'air de nous entourer, de nous surplomber, d'avoir son poids, sa pesanteur à lui propre, eh bien, peut-être que le monde ne doit cette pesanteur, ne doit sa chaleur et sa vie qu'au fait qu'il est habité par un corps bien vivant, un corps qui a l'air d'être logé en lui, mais qui, au fond, le hante, l'anime tout entier, lui donne sa direction, son relief, y trace des chemins familiers, et maîtrise ainsi la formidable inquiétude qui pourrait naître d'un monde qui ne serait pas maîtrisé. Pour que le monde soit autre chose qu'un écheveau inextricable, autre chose qu'une sorte de plotte d'aiguille toute tournée contre nous, il faut que non seulement notre corps l'habite, mais il faut qu'il en tienne les fils, qu'il en forme l'absolue référence. Et une maladie comme la schizophrénie est probablement
une des maladies dans lesquelles on trouve le plus fréquemment cette impression curieuse de dissociation totale du monde, qui est au fond liée à une dissociation totale du corps. Et voici par exemple une page extraite du journal d'une schizophrène, une schizophrène qui était en voie de guérison et qui raconte rétrospectivement comment elle éprouvait les rapports qui existaient entre son corps et le monde à l'époque où elle était malade, à l'époque où elle ne s'éprouvait plus que comme une sorte d'aiguille à l'intérieur d'une gigantesque meule de foin. Cette meule de foin, c'était le monde, cette mince aiguille, c'était son propre corps. Il y avait un rêve que je faisais souvent. Une grange éclairée à l'électricité d'une manière éclatante. Les murs peints en blanc, lisses, lisses et brillants. Dans cette immensité, il y avait une aiguille fine, fine, dure, brillante sous la lumière. Cette aiguille dans ce vide me faisait une peur atroce. Puis, une meule de foin comblait le vide et absorbait l'aiguille. La meule, d'abord petite, grossissait, grossissait, et au milieu se trouvait l'aiguille, qui possédait une tension électrique énorme. Elle communiquait au foin. La tension, l'envahissement du foin et la lumière éclatante faisaient augmenter l'angoisse jusqu'au paroxysme. Et je me réveillais en hurlant. L'aiguille, l'aiguille. Pour moi, la folie était comme un pays où régnait une lumière implacable, qui ne laisse aucune place pour l'ombre et qui nous aveugle. C'était une immensité sans borne, illimitée, plate, plate. Un pays minéral, lunaire, froid, comme les steppes du pôle Nord. Dans cette étendue, tout est immuable, immobile, figé, cristallisé. Les objets semblent être des maquettes de décors posées ça et là, comme des cubes géométriques qui auraient perdu toute signification. Les gens évoluent bizarrement. Ils font des gestes, des mouvements qui n'ont pas de sens. Ce sont des fantômes qui circulent dans cette plaine infinie, accablés par la lumière de l'électricité. Et moi, j'étais perdue là-dedans, isolée, froide, nue sous la lumière et sans but. J'étais là au milieu de cette désolation, dans une détresse indicible. Aucun secours ne me venait de personne. J'étais effroyablement seule, la solitude absolue. C'était cela, la folie, l'éclairement. Je l'appelais le pays de l'éclairement, à cause de la lumière éclatante, éblouissante, et l'état de tension extrême où se trouvait toute chose, y compris moi-même. C'est comme si un courant électrique d'une puissance extraordinaire passait sur toute chose et tendait jusqu'à ce que tout saute dans une explosion effroyable. C'est pourquoi je me plaignais de la paille. Dans ce silence infini et cette immobilité tendue, j'avais l'impression que quelque chose d'épouvantable allait arriver. J'attendais, retenant mon souffle, et rien n'en venait. L'immobilité se faisait encore plus immobile, et le silence encore plus silencieux. Et les gens, avec leurs gestes, devenaient encore plus artificiels et détachés les uns des autres. Et ma peur augmentait. Ainsi vont les étranges folies du corps. À peine est-il perçu avec moins de vivacité que le visage du monde se défait. Mais si ce corps qui est le mien, je le perçois avec un peu trop de lourdeur, il se dédouble et prolifère comme une grande plante vénéneuse. Ce corrosif langage de mon corps, comment parvenir, sinon à le faire taire tout à fait, du moins à l'apaiser? Comment le maintenir dans ce silence calme, maîtrisé, articulé, qui soutient d'ordinaire mes gestes et donne à mes expressions ce que je peux leur reconnaître de bonheur? Il y a bien sûr, pour faire taire ce langage du corps, il y a le rêve merveilleux et délirant de cet autre moi-même que je pourrais avoir en face de moi, avec qui je pourrais échanger mon langage le plus fondamental, cet autre moi-même que j'aurais et qui serait moi. C'est le rêve du double fraternel et aimant, c'est le rêve de la tendresse sans trêve des corps identiques. Mais on sait bien que ce rêve, au fond, lui aussi, il ne parle que de la mort. Un monde où on serait juste assez proche et distant de soi pour pouvoir rester toujours entre soi. Eh bien, c'est un monde que la mort a depuis longtemps enchanté. Thomas Mann a raconté dans L'Élu l'histoire à la fois sérieuse et plaisante de ce frère et de cette sœur,
de ces jumeaux de 16 ans, qui étaient si beaux et si semblables à eux-mêmes, qu'ils s'unirent contre toutes les lois de la cité et toutes les lois de la nature. Et voici le plaisant discours que Thomas Mann a prêté à leur vieux précepteur, discours subtil qui dit sous une feinte naïveté, mais sous une feinte naïveté seulement, pourquoi de soi à son semblable on ne peut au fond jamais être deux et pourquoi la vie ne peut pas sortir d'une pareille gémellité. Que c'est déplorable. Oh, chers et augustes enfants, que tout cela est déplorable. Vous avez donc à proprement parler dormi ensemble, en sorte que dans le giron de la sœur croît le fruit du frère. Et vous avez fait tous deux, en dehors de toutes les règles, de votre défunt père, votre beau-père, et aussi un grand-père. Car ce que tu portes là dans ton sein, damoiselle, c'est son petit-fils, en ligne hélas trop directe. Parce que vous craignez le scandale qui vous menace, je vous vois pleurer. Mais je me demande si vous comprenez au juste ce que vous avez perpétré en ce monde. Vous avez provoqué le plus grand dérèglement et un arrêt de la nature qui, tout comme vous, ne sait plus par où entrer ni sortir. La vie veut continuer à jeter des surgeons selon la volonté de Dieu. Et vous êtes cause qu'elle piétine sur place, et vous avez ensemble fait souche d'un troisième frère, si tant est qu'on puisse donner un nom à cette existence obstruée. Car le père, étant le frère de la mère, se trouve donc être l'oncle de l'enfant. Et la mère, puisqu'elle est la sœur du père, est sa tante, et porte dans son sein son neveu ou sa nièce. Ce qui est insensé. Telle est la confusion et le désordre que votre étourderie a introduit dans le monde de Dieu. Ce texte, bien sûr, n'est qu'amusant. Il est tout de même curieux de remarquer que les ethnologues contemporains qui se sont intéressés aux lois et aux formes de la prohibition de l'inceste expliquent cette si étrange et si constante règle de toutes les sociétés d'une façon qui n'est pas tellement différente de Thomas Mann. Et indéfiniment, la vie prise entre ce double qui la tue et qui la fascine pourtant, et la mort qui la dédouble, reprend son langage déraisonnable, langage qui peut-être au fond ne se taira que le jour, que l'instant précis, où dans le geste du suicide, je deviendrai le souverain de ma propre mort, où mon corps disparaissant et mon langage se taisant enfin deviendront pour une seconde raison l'un de l'autre. Alors dans cet éclair, le visage du monde se recomposera comme un beau corps sans rides et mon langage, enfin, rejoindra mon existence. Si je me tue, ce ne sera pas pour me détruire, mais pour me reconstituer. Le suicide ne sera pour moi qu'un moyen de me reconquérir violemment, de faire brutalement irruption dans mon être, de devancer l'avance incertaine de Dieu. Par le suicide, je réintroduis mon dessein dans la nature. Je donne pour la première fois aux choses la forme de ma volonté. Me délivre de ce conditionnement de mes organes si mal ajustés avec mon moi. Et la vie n'est plus pour moi un hasard absurde où je pense ce que l'on me donne à penser. Je choisis alors ma pensée. Et la direction de mes forces, mes tendances, de ma réalité. Je me place entre le beau et le laid, entre le bon et le méchant. Je me fais suspendu, sans inclination, neutre, en proie à l'équilibre des bonnes et des mauvaises sollicitations. Car la vie elle-même n'est pas une solution. La vie n'a aucune espèce d'existence choisie, consentie, déterminée. Elle n'est qu'une série d'appétits et de forces adverses, de petites contradictions qui aboutissent ou abortent, suivant les circonstances d'un hasard odieux. Le mal est déposé inégalement dans chaque homme, comme le génie, comme la folie. Le bien comme le mal sont le produit des circonstances et d'un levain plus ou moins agissant.
Il est certainement abject d'être créé et de vivre et de sentir jusque dans ses moindres réduits, jusque dans les ramifications les plus impensées de son être, irréductiblement déterminé. Nous ne sommes que des arbres, après tout. Et il est probablement inscrit dans un coude quelconque de l'arbre de ma race que je me tuerai un jour donné. L'idée même de la liberté du suicide tombe comme un arbre coupé. Je ne crée ni le temps, ni le lieu, ni les circonstances de mon suicide. Je n'en invente même pas la pensée. En sentirais-je l'arrachement. Et il se peut qu'à cet instant se dissolve mon être. Mais s'il demeure entier, comment réagiront mes organes ruinés? Avec quels impossibles organes en enregistrerai-je le déchirement? Je sens la mort sur moi comme un torrent, comme le bondissement instantané d'une foudre dont je n'imagine pas la capacité. Je sens la mort chargée de délices, de dédales tourbillonnants. Où est là-dedans la pensée de mon être? Mais voici Dieu, tout à coup, comme un point, comme une faux de lumière coupante. Je me suis séparé volontairement de la vie. J'ai voulu remonter mon destin. Il a disposé de moi jusqu'à l'absurde, ce Dieu. Il m'a maintenu vivant dans un vide de négation, de reniement acharné de moi-même. Il a détruit en moi jusqu'au moindre poussé de la vie pensante, de la vie sentie. Il m'a réduit à être comme un automate qui marche. Mais un automate qui sentirait la rupture de son inconscience. Et voici que j'ai voulu faire preuve de ma vie. J'ai voulu me rejoindre avec la réalité résonante des choses. J'ai voulu rompre ma fatalité. Et ce Dieu, hein, que dit-il? Je ne sentais pas la vie. La circulation de toute idée morale était pour moi comme un fleuve tari. La vie n'était pas pour moi un objet, une forme. Elle était devenue pour moi une série de raisonnements. Mais des raisonnements qui tournaient à vide. Des raisonnements qui ne tournaient pas. Qui étaient en moi comme des schèmes possibles que ma volonté n'arrivait pas à fixer. Même pour en arriver à l'état de suicide, il me faut attendre le retour de mon moi. Il me faut le libre jeu de toutes les articulations de mon être. Dieu m'a placé dans le désespoir, comme dans une constellation d'impasse, dont le rayonnement aboutit à moi. Je ne puis ni mourir, ni vivre. Ni ne pas désirer de mourir ou de vivre. Et tous les hommes sont comme moi. Et tous les hommes, nous-mêmes, ne sommes-nous pas comme Artaud? C'était l'usage de la parole, les langages de la folie par Michel Foucault, réalisation Jean Doat, première diffusion le 21 et le 28 janvier 1963.